Habillement sur 20, prière sur 31, bon comportement sur 10, aimer son prochain sur 40, ça fait ta note sur 100. Faut calculer pour toi parce que on sera noté à tôt. Sera à JM, tu as combien sur 100? On sera noté au ciel, on sera noté. Affaire des chrétiens, c'est plus pantalon tissu, chemise et pagno, vieille paire de souliers. Ce n'est ni les grosses robes, non, ce n'est ni les foulards, alléluia. Ce n'est ni les talons années 60, années 32, rocafijas. Parce que ma soeur en Christ, ça me dit quand ton chéri t'invite là, tu fais les gommages, les petits repassages, fond de tes surpieds, petit jacoto parfumé. Et tu es dans la ville, en terrain de moussé, à couper. A dégalé, à coupé, à dégalé, à sagacité, à moulangaï, à sagacité, à moulangaï. Pourtant dimanche, quand on te voit, on dirait épouvantail, marionnette, poupée et sorcier, même trop joli. Oh. Il faut changer, Jésus n'aime pas les foutaises, mais laisse-moi te dire, on sera noté, choco, tu as combien sur 100? On sera maman jolie, tu as combien sur 100? On sera joli garçon, tu as combien sur 100? On sera noté au ciel, on sera noté encore. Mais affaire habillement, faut savoir mesurer aussi. Oh. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui font mannequinat, tellement ils jouent les chocos, ça distrait le peuple. Que des plaisantins, sympathisants de Jésus. Quand il rentre à l'église, on dirait Michael Jackson. Il faut l'avoir, on dirait Lady Gaga. Puis encore, ils ne sont jamais à l'heure. Toujours en retard, tout ça pour se faire voir. Même son carême, il fait un choco. L'horaire a changé, c'est de 10h à midi. Fini les longues prières qui donnent le vertige. Notre Père, qui est aux cieux. Amen. Ah, mais laisse-moi te dire, on sera noté. JM, tu as combien sur 100? On sera noté. Merci.